Alors nous allons proposer une maquette qui permet d'améliorer la sécurité des piétons sur la route. Ça consiste à ce que le piéton soit plus visible de par les automobilistes. Il va y avoir un bandeau à LED juste devant le passage piéton qui va s'allumer dès que le piéton va traverser. Si la voiture détecte un piéton, la voiture va s'arrêter. Et quand il fait nuit et qu'un piéton est détecté ou une voiture, les lampadaires s'allument. Et nous avons programmé une carte Arduino pour que les ILS et les barrières infrarouges détectent le piéton. Ça nous apprend à manier les logiciels de programmation des cartes et de circuits imprimés. On est 6 dans le club techno et on y va de 13 à 14 tous les lundis, depuis le début de l'année. Ah, le projet, bah, on y est ouais, on est à peu près depuis le début de l'année un peu. On a proposé d'expliquer la biodiversité. On cherche comment amener la biodiversité dans les collèges et en quoi est-ce important. On a continué à faire la spirale aromatique parce qu'il avait imaginé mais il n'avait pas fait. Et nous avons aussi mis des mangeoires à oiseaux pour après pouvoir les recenser. Nous avons désherbé un parterre de fleurs donc pour que les fleurs puissent bien pousser. Nous avons cherché des partenaires pour faire la spirale, donc qui nous ont amené des pierres, et puis aussi pour nous sensibiliser. Il y a des personnes qui sont venues, ils viennent des bocages du Bosch au sud, et du coup ils nous ont appris les bocages. On va vous présenter différentes activités qu'on a fait dans le cadre des Olympiades de la chimie. Donc c'est un concours national qui met en avant justement la chimie à un niveau plus poussé que ce qu'on voit au lycée et une différente approche. Donc grâce à des TP et différentes visites aussi, on a visité par exemple une entreprise, Arkema, et des TP comme un TP de synthèse à l'UT d'Orléans ou un TP aussi de synthèse du camphre, donc ce qui est dans le baume du tigre. On a mis certains des TP qu'on avait effectués. Donc on a fait par exemple le montage et on compte leur expliquer, notamment un montage à reflux. Et on va aussi, avec la participation des élèves, faire deux expériences. Donc la création d'une balle rebondissante et du slime. Plus on va mettre de slime, plus il va être cassant et moins il va s'étendre. Bah, c'est assez enrichissant comme expérience quand même. On n'a pas l'habitude d'expliquer ça à des élèves. Donc, c'est bien aussi de montrer ce qu'on a appris et ce qu'on a pu voir aussi au cours de ce concours.
nous allons vous présenter, ça consiste à améliorer l'éco-parc des Chenevières. Ce projet s'appelle le projet ATE, qui est l'aire terrestre éducative. Les trois piliers très importants de cette aire terrestre éducative, c'est connaître, c'est-à-dire savoir reconnaître une plante une fois qu'on l'aura étudiée, vivre, donc comment vit cette plante, et transmettre, ça veut dire par exemple les caractéristiques, si des personnes ne les connaissent pas, on pourrait leur transmettre, et elles pourront aussi les transmettre à des personnes qu'elles connaissent et qui se posent des questions dessus. Cette année, notre défi, c'était de créer un sentier botanique qui est sur le site Tela Botanica. On aura pris des photos, on aura fait des prélèvements, on aura marqué les caractéristiques. Les photos, il y en aura en hiver, en été et au printemps. L'autre chose que nous avons créée, c'est des petits fagots de bois entassés dans les arbres pour les abeilles solitaires qui creuseront dans le bois pour y vivre longtemps. Et nous avions fabriqué des châteaux de sable entourés de saules tressés pour faire des barrières naturelles. Bah, c'est la mairie qui nous donne un label, voir si notre travail a bien été fait. Et bah, si elle n'approuve pas, l'année prochaine devra se dépasser pour mieux faire. Et du coup, si elle approuve, on installera un drapeau que nous avons fait. Nous, la mairie a approuvé. On fait ça dans le cadre associatif au collège, pendant la pause méridienne. On va au club math pour faire une heure à pratiquer des tours de magie. Donc ça permet de voir que en fait, les tours de magie, c'est mathématique. On propose un détecteur de mensonges. Et le principe, c'est de, parmi 8 cartes, 4 valets et 4 rois, qu'on retrouve la carte que la personne a choisie à la fin. Le tour des As, en gros, je vais positionner les 4 As sur une table. Vous allez choisir dans le jeu de cartes 9 cartes. Vous pouvez mélanger n'importe quoi. Et à chaque fois, je vais faire 3 tas. Vous allez devoir en choisir un. On va regarder la carte qui est tout en dessous. Et je vais pouvoir la retrouver juste en épelant. Si c'est Dame de Pique, je vais épeler Dame de Pique. Donc du coup, D-A-M-E, D-E-P-I-Q-U-E. Et à la fin, je vais poser 4 cartes, une carte sur chaque As. Et je vais prendre la 5e carte, la poser sur la table, et normalement, je retrouve la carte qu'on a vue au début. L'année dernière, c'était pas de la magie. Non, le math Non, mais il fallait pas. Je leur propose plein de choses. Aujourd'hui, on est venu proposer des jeux faits par la programmation, Scratch, et la microbit aussi. Des jeux un peu vidéo, différents projets. On a fait un jeu où il y a un crabe, et en fait, il y a des coquillages qui tombent, et le crabe, il doit esquiver les coquillages et prendre les poissons pour avoir des vies. Ensuite, il y a un jeu de Tetris. Donc c'est avec une manette qu'il faut tourner les pièces pour que ça s'emboîte. On a un skate et il y a une microbit en dessous. On a fait un programme pour que le skate se déplace par rapport au jeu. Et on doit esquiver les pierres. On doit esquiver les pierres et si on touche une pierre, ça enlève une vie. Et normalement, il y a des cœurs qui rajoutent des vies. On va essayer de voir si c'était ici.
On a commencé par des petites programmations, par un petit jeu facile et tout simple. Et après, on a fait des jeux comme cela. Assez dur un peu quand même.